Oh non. C'est le gouvernement fédéral qui m'a donné. Attends, vous pensez que celui-ci est une blague? Regarde, c'est un vrai uniforme. Vous avez même une carte d'identité. Je travaille dans cette force de police et tant qu'agent de circulation. Un truc comme ça, tu vois. Durant toute ma vie, j'ai planifié de rejoindre la police. J'ai prévu d'être un flic un jour. Comme toi. Regarde-toi, t'es un flic maintenant. Vous avez prévu de rejoindre la police, n'est-ce pas? Oui. Ok, te fais pas. Je vais te recruter. Hein? Mais comment feras-tu cela? Quoi? Ben, je suis la police. Et tant que la police, je peux recruter n'importe qui. Et ceci est quand je veux et où je veux. Et là, maintenant, mon ami, je te recrute. C'est ton jour de chance, tu vois. Je suis ton supérieur maintenant. Voici ton uniforme. Attends, Bibi. Juste comme ça? Juste comme ça, quoi? Tu voulais être flic, n'est-ce pas? Ben, t'es un flic maintenant. Quoi? Venez, il faut que tu t'habilles. Arrêtez cette voiture! Et arrêtez-vous! Arrêtez-vous ici! Ralentis! Arrêtez-vous! Garez-vous là-bas! Pourquoi as-tu accéléré? Officier, je n'accélère pas. Tu n'as pas accéléré. Je ne vais pas vous demander les papiers de ce véhicule, parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais quand même, je vais faire mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'est arrêté? Bon, écoutez, tout le monde va descendre de ce véhicule et je vous fouillerai tous. Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas le temps, moi. Je suis enceinte. J'ai un rendez-vous à l'hôpital. Et calmez-vous. Maintenant, tout le monde descend de cette voiture. Je vais fouiller tout le monde l'un après l'autre. Toi, descends. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Une bouteille de vin. Montre-le-moi. Es-tu sûr que c'est du vin? Oui, monsieur. Il y a beaucoup de gens qui transportent de la contrebande dans des bouteilles et prétendent que c'est du vin. Monsieur, je vais à une fête d'anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire. C'est du vin, monsieur. Je vais devoir tester ce vin pour être sûr que c'est du vin. Quoi? Officier, vous voulez tester mon vin? Bien sûr que oui. Tu veux vraiment tester le vin que j'ai acheté pour quelqu'un? Mon ami, veux-tu te taire? Voulez-vous m'apprendre mon travail? Et ça, c'est un cas de suspect. Je dois être sûr que c'est du vin. Oui, c'est du vin. Mais ça a un goût... C'est du vin. T'as beaucoup de chance que ce soit du vin. Passe derrière moi. Toi, avance. Qu'y a-t-il dans ce sac? Que portez-vous? La nourriture du bébé de ma tante. La nourriture du bébé de votre tante? Oui, monsieur. Êtes-vous sûr de ne pas faire passer quelque chose à l'intérieur de ce sac? Oh non, monsieur, non. Êtes-vous sûr que cette nourriture n'est pas empoisonnée? Non, monsieur. Laisse-moi voir. Qu'est-ce que c'est? C'est la bouillie du bébé, monsieur. La bouillie du bébé sans cuillère, n'est-ce pas? Non, monsieur, j'ai une cuillère. Es-tu sûr de ne pas avoir empoisonné cette nourriture? Non, monsieur. Êtes-vous vraiment sûr? Oui, monsieur. Je vais la tester moi-même. Oh non. Trop de sucre. Cette nourriture n'est pas bonne pour les bébés. Monsieur, désolé, monsieur. Laisse-moi goûter. Tais-toi là. Êtes-vous un officier supérieur? Officier, vous avez terminé la nourriture du bébé? Taisez-vous, ma
madame. J'essaie de sauver le bébé. Vous mettez trop de sucre dans la nourriture du bébé. Vous voulez donner le diabète au bébé? Monsieur, ce n'est pas bien ça. Taisez-vous. Vous êtes devant un suspect. Ok, j'ai fini. Quelle est la prochaine chose qu'il y a dedans? Laisse-moi voir. Vous voulez empoisonner le bébé? Qu'est-ce que c'est? C'est du lait, monsieur. Le lait du bébé. Le lait du bébé? Oui, monsieur. Ce lait est-il original? Oui, monsieur. Êtes-vous sûr que ce lait est original? Oui, monsieur. Je vais le tester. Monsieur! Mais c'est le lait du bébé. Mon ami, es-tu en train de me corriger? Là, devant ce suspect. Oh non. J'ai fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'eau chaude. Ah ça, je ne veux pas. Allez, passe derrière moi. Suivant. Bonsoir, officier. Bonsoir, madame. Où vas-tu? Je vais à l'hôpital. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Es-tu mariée? Oui, monsieur. Je suis mariée. Ton mari, là, est-il responsable de cette grossesse? Bien sûr, mon mari est responsable de la grossesse. Je vais la tester. Quoi? Que veux-tu dire? Ok, laisse tomber. Qu'y a-t-il dans ton sac? Il n'y a rien dans mon sac. Es-tu sûr qu'il n'y a rien dans ce sac? Monsieur, il n'y a rien dans ce sac. Laisse-moi voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, de la bière! Tu vois, j'ai trouvé de la bière. Premièrement, vous avez menti à un officier. Et deuxièmement, tu as porté de la bière pour tuer le bébé. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Non, monsieur, ce n'est pas de la bière. Oui, c'est de la bière. Non, ce n'est pas de la bière. Pour qui tu me prends? Ok, bref, je vais la tester. Je vous en prie, monsieur, ne la testez pas, s'il vous plaît. Tais-toi et laisse-moi faire mon travail. Quel genre de bière sale est-ce? Officier, je vous ai dit que ce n'est pas de la bière. Tais-toi! Goûte ça. Officier, cette bière a le goût de... l'urine. L'urine! Officier, je vous ai dit que ce n'est pas de la bière. C'est mon urine. Je vais faire un test d'urine à l'hôpital. Tu veux dire que j'ai bu ton urine? Oui, monsieur. J'ai bu l'urine d'une pharmacie! Monsieur, voici ton urine. Prends ton urine. Non.